Salut guys, MonoGP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est à la région des Laurentides et on roule belle neige. Oh. Hey, un petit dernier de World. Hey, fuck! What? What? Alors, qu'est-ce que c'est belle neige? C'est pas compliqué. C'est un petit centre de enduro qui est situé dans la ville de Valmorin. C'est un beau réseau qui va avoir une vingtaine de pistes, donc de tous les niveaux. J'ai la montagne qui est juste derrière moi. J'ai la chance d'avoir un guide aujourd'hui. Je vais avoir Fred qui est de l'équipe des sentiers ici. J'ai une super belle invitation de la gang de belle neige. J'avais très hâte de venir voir leur centre. Ça fait longtemps que j'avais ça sur la map. Ça fait que je suis monté tôt ce matin. J'ai une belle petite chance pour venir rider le centre avec eux autres et j'ai extrêmement hâte de voir ça. Fait qu'on prend les bacs et on s'en va rouler. Traite là. On est dans notre pick-up de brousse à Belle-Neige avec Dom, notre conducteur. Aujourd'hui, on se fait des shuttles. Ça, on va se garder des jambes pour essayer de rider toutes les pistes. Alors, on a un petit trail pour se réchauffer. On va avoir Fred à l'avant. On va avoir William qui va rider avec nous autres aujourd'hui. William. Android, fait qu'il gagne automatiquement des points. Fait qu'on commence dans le flow, dans le bleu. Ça. Ah, c'est loamy, j'aime ça. Yup. Fred me disait que Belle-Neige existe depuis 60 ans. Le mountain bike a commencé en 2018 dans le coin de la pandémie. Fait que c'est un réseau assez récent. Fait que là, on se fait un enchaînement de 4, c'est pas 5 pistes. Fait que des courts segments qu'on peut laper un à suite de l'autre. Fait qu'on est dans le naturel, on est dans des pistes faites à la pelle. Première pédale occupée des Laurentides cette année. Hop! Une bonne longueur en plus. Ça, un petit gap. On reste sur le bord du lac. Ouh! Il faut du bel humain en tout cas. L'Orignal. Qu'on part dans la cabane de ski alpin. On tombe dans le tech. Tu vas le faire ça, moi, ben oui. Fait qu'on vient de monter de niveau en Titi. Belle noire, on a quand même un bon dénivelé. Fait que facile de prendre sa vitesse. Fait que... Les boys sont plus rapides que moi connaissant leur secteur. Ça. Oh, les arbres passent proches. Fait que le guidon 780 est là, je suis pas mal ici. Fait que là, on arrive de Thunder il y a à peu près 5 jours. Fait que le bike est seté pour faire des gros jumps. Fait que dans le tech,
Mon rebond est pas parfait. C'est donc bien malade. Fait que là, on tombe dans le crunchy, je pense. Super. On pogne ça à gauche. Nice. Ça. Je suis en train de les perdre sur la tête comme moi. Oh, fait avoir une petite collision. Oh, je t'ai manqué une à droite. Je pense qu'on en passe. Ok, c'est épais comme deuxième piste. J'adore. I'm gonna skip that one. Solide. Je suis parti comme ça. Yes. Oh, la ligne à en bas à gauche, un peu plus bas. Ouais, je te suis. Avec la précieuse, encore une fois dans le noir, dans le tech. Je pense qu'on va avoir une pas pire slab. Frel qui va ouvrir la marche, encore Will en avant. Celle-ci. Prop. Ça. Quand même un bon dénivelé. C'est facile d'avoir sa vitesse. Ça. J'aime ça de même dans le bois rapide. Fait que c'est notre troisième lap. Je commence pas mal à voir c'est quoi le caractère de la montagne. C'est pas compliqué. C'est du single track. C'est du naturel. C'est du beau naturel fait à la piste. À la piste, à la pelle, non. Fait qu'il me disait, yep, que souvent c'était trail de 4 roues, trail de marche, trail de bas qui étaient déjà, qui ont été réaffectés. That's nice. Nice. Ceci. Ça super bien. On va mettre la petite compression à la fin. Wow! Ok, c'est ma préférée. Ils sont longs, une piste pareille. Oh. Fun fact, il y a un cinépark sur place. Juste pour ça, ça vaut la peine. Quand on va reprendre notre entrée du sanctuaire ici, on va aller au cœur du sanctuaire. Dans le tour, la première piste qu'on a faite, on a pas mal fait le tour, donc vers la gauche. On avait une coupelle de ces pistes-là, mais on a passé à côté. Hop. Man down! What? Beeline sit. Alors. Oh, je vois du double noir, ça me tente. Kérosène. Ok, kérosène, ça me passe. Oh. Kérosène, grosse piste de jump. Option slab, méga slab.
Oh my god. On va aller voir, on va faire aussi si on se sent à l'aise de moi. Tu l'as fait en e-bike durant le cas de temps ici. Ça a été érodé quand même. La compression c'est vraiment vraiment bien. Tu décolles-tu ou t'as roule? Alors. Petite vite verte pour faire changement. Nice. Une fois. Super. Nice. Il y a donc bien des lignes. Fait que le gars qui me fait nos châteaux, finalement, je disais que c'était tout bâti à l'appel, je m'excuse, c'est bâti à l'appel mécanique. Ah! Ok! Bah. Fait que, on y va avec du plus gros stock avec Will. Fait que ça arrive vite. Ok, ça, ça. Un bon double. Tout sauf le shark fin. Le fin, il est quand même tough à prendre, mais tu le savais pas, là. Il arrive vite. C'est ça. Il arrive vite. Quand tu veux, man. Ça. Ça de même. Technique avec le pouce. Bon, ça pue très bien. Ça semble pas être cassé, mais je suis capable d'utiliser le dropper pour la journée. Fait que plus de trail, on va juste faire du château. Colin! J'espère que ma blonde ne verra pas ça. Sinon, le bike. Là, bon, faites tough. Ok, on est reparti. Bon, retour de dîner. Avec le pouce probablement foulé, fait que ça va être un petit peu tranquille. Merci de votre compréhension. À la bête Saint-Pierre! Ouais, une de leurs pistes signature. Ça ici, on peut gaper la roche. Faut que je revienne ici. Bon, je vais essayer de les suivre quand même. What the heck? Un petit peu moins de force de freinage dans le pouce, mais ça va. Aïe, aïe. Ça, voyez-vous qui va plus vite. Il est plus habitué.
mon ongle brisé. Ah, ça a bien été, super! Oui! Ouais, ça fait bien! Oui! Que je suis pas tombé, je me suis comme pogné le soulier dans la roche parce qu'il a arrêté. J'étais sûr que je me plantais. Ouais, j'ai comme le pouce plus gros, c'est comme bizarre. Ça. À la retraite, ils sont malades pour vrai. Hein? Aïe, aïe! Pour vrai, quelqu'un, on va dire avancé, expert, là, il y a du fun à avoir ici. Là. Super! Une de mes préférées encore. On va le faire blind, puis il va te couper. Bon, oui, pas trop. OK. Alors, boîte à beurre. Deuxième lap blessé, on fait attention. Fait que Will à l'avant cette fois-ci. Le pouce devrait survivre, j'imagine. Alors, ça. Hein? Fait que je suis pas tout seul à avoir passé droit ici, je comprends. C'est un très bon rider en passant. Ok. Ah, le pouce. Ça va. Ok. Oh, ok, je savais pas que ça se roulait. Une prochaine fois, ça ici. Ça. Ça, pas trop vite le cannon, et un petit dernier le world, hein, fuck, what? What? Émotion rock, ouh, j'adore. Alors, encore dans le long, mais encore dans les slabs. Ça, c'est bon. C'est là, pourquoi on l'a fait double? Le problème, c'est à cause de la racine ici. Ça, ça. Toc, toc. Une bonne. Très dans le milieu. Une bonne ligne. Ok. Fait que plus à droite. Thank you.
Ça, c'est bon. Yeah, JP! Puis tu me dis qu'il y en a une deuxième, ça ici, ça ici. Oh, nice! Ben, that was cool. Ah, monsieur Pousse, il ralentit le groupe, mais bon. Ah, nice! L'oracle double noir. Ah, écoute, oh, oui. C'est bon, gars! Comme je te dis, les sauts me stressent pas bien, bien. Mon gars! Ouch! Je vois pas qu'il y a l'affaire, moi. Oh, wow, écoute. Je te voyais, je commence, c'est juste ça, c'est correct. Ouh, ok. Ouais! JP, dans l'oracle. Ridge line. Bon. Le push, ça commence à faire mal, donc on va faire attention à ce qu'on fait. On va avoir des belles pro-lines dans celle-là qu'on va aller voir. Avec Will qui a beaucoup de talent. Est-ce que c'est un bon tirailleur? Ça. Wow. Ça. Je vois pas. Ok, vous l'avez fait officiel un peu là. On va garder une jeune pour ça là. Ouais, quand tu veux. Oh. Bon, ridgeline, pas de gap pour moi. Le pouce n'en peut plus. Ça, petite dernière ici. C'est la fin, je crois. Oh my God, la journée. Pour vrai, je comprends pas pourquoi ce centre-là est pas plus connu. Je demandais avant de venir dans Laurentides au monde quel genre de centre vous me conseillez d'aller voler dans Laurentides, sachant que c'était ici que je venais, mais j'avais un petit peu de temps à tuer. Puis la moitié du monde, belle neige, belle neige, belle neige. Mais pourquoi c'est pas plus connu que ça? Pourquoi il n'y a pas plus de monde dans le parking? Pour vrai, c'est hot comme centre. Si vous êtes avancé, expert, pour vrai, c'est, on peut-tu dire, un genre de petit mini sentier du moulin? Dans le même moule. Vraiment dans le même moule, pour vrai. Mais pour du beau gros noir, pour vrai, c'est fucking cool.
Écoutez, je vais faire un petit épilogue rapide. Belle neige, qu'est-ce que je peux dire sur ce centre-là? Écoutez, c'est pas ce que je m'attendais, honnêtement. J'avais vu un petit peu d'images, mais pas tant. J'avais vu un petit peu les modules de North Shore. OK, quelques trails, quelques... C'est pas ça du tout que j'ai trouvé. J'ai trouvé une place pour avancer expert vraiment hot pour vrai. Une vingtaine de trails au total, quelques petits connecteurs, mais en général, plusieurs pistes. Écoutez, on a fait à peu près 20 km. On a fait un petit peu de shuttle pour en faire le plus possible. Mais pour accéder au sommet, deux montées différentes qui prennent à peu près 20 minutes, on me disait, fait que c'était pas si mal. Plusieurs pistes bleues, plusieurs pistes noires, des beau challenge pour vrai. C'est pour qui Belle Neige? Si vous êtes des fans de trucs naturels, pour vrai, j'ai été servi, j'ai trippé comme un gamin. J'ai de la misère un peu à vous comparer à quoi ça peut ressembler. C'est très, très naturel. Quelques pistes faites à l'appel, quelques pistes faites à l'appel mécanique, mais sinon beaucoup de slabs, de décalotés. On dirait un mini sentier du Moulin. C'est sûr, c'est un centre que ça fait 4 ans que ça existe, fait que c'est tout récent. Pour vrai, j'ai trippé comme un gamin. Un gros merci à Fred, un gros merci à William, qui est un astuce de bon rider. Pour vrai, je pense qu'il est meilleur que moi. Super belle montagne. Je vous invite à venir voir ça. Puis écoutez, il y a le cinépark. Il y a le cinépark à soir. Je veux dire, moi, je m'en vais nettoyer mon bike, puis je reviens au cinépark tantôt. Fait que venez au cinépark de Belle-Neige, puis en bonus, amenez votre bike. Ça fait que je vais dire un gros merci à Fred, un gros merci à Will de m'avoir guidé à Belle-Neige. C'était totalement débile. Ça fait que je vous invite à venir rouler le réseau. De notre côté, on s'en va à bière. Ça fait qu'un gros merci, boys. Et sur ce, on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. Yeah! Bye. That's it. That's it. Juste pour le cinéma que ça vaut la peine, pour vrai. Oh, mais j'aurais pu aller voir les mignons! Oh non!